Oui. Hop, je lance. Alors. Clac. Donc. On va tous partir de quiche. C'est notre premier waypoint. Deuxième waypoint, c'est l'art. Dans le doute, je l'ai mis. On a pas besoin de chercher. Et puis après, on arrive à Shiraz. Donc, c'est notre objectif. Du coup, pour l'acide et cap, il y a 4 waypoints qui sont ici dans le coin. Qui représentent du coup ce que j'ai mis sur le. Sur le fil pour neutraliser du coup le SA10 et la strike, enfin la strike. Vous allez arriver en fait sur le vous alignez sur la piste en 297 et du coup deux avions bombarderont la piste de gauche sur toute sa longueur et du coup deux avions sur la piste de droite sur toute sa longueur. Donc du coup prévoyez de mettre un intervalle sur vos bombes. C'est Ouais, ça va. 2,2 nautical miles la piste. Ok. Donc le but c'est de strike quand même sur la longueur pour neutraliser le plus la piste. Ouais. Donc après, bon, par rapport au nombre de marques 82 que vous avez, c'est pour les distances. Tout simplement. Et après, du coup, ça sera Ygresse sur la gauche. Pour du coup retourner à Kish. Ouais, Les tankers sur le coin. Juste vite fait, alors il y a quand même du SA15. Il y a quand même du Thor. Donc, ne descendez pas en dessous de Angel 18, tout simplement. ok. Voilà, parce que du coup, ils sont quand même dans le coin. Faut être conscient qu'on n'est pas invincible, même si du coup, on est là pour se montrer. Tout simplement. C'est du largage haute altitude C'est alors. du CCRP, le largage haute altitude, exactement. Ok, je sens. Et vous êtes du coup équipés Est-ce tous qu'on marque. a... Et la strike, vous êtes équipés tous marque 82 au plus possible. Même toi, Tom. Parce que du coup, tu as juste le bidon central, et au lieu d'avoir Ok. les deux bidons sur les côtés, tu as 6 marques 82 en tout, à la place des bidons. Ok, Donc, alors, si d'accord. tu te sens pas confortable, tu prends les deux bidons, mais du coup, ça t'enlève 6 bombes. Non, mais large. Voilà. Simplement. Logiquement. Du coup, Pardon? les bombes marque 82, c'est du guidé GPS? Non, c'est de la Oui. bombe lisse. Ah, d'accord. En CCRP, tu l'as fait là. Je sais Ouais, pas si tu en avais fait quand on a fait l'entraînement. Pareil. Ouais, on va voir. Quand le truc il intersecte avec la ligne du HUD, il faut lâcher. Ok. Ouais, c'est ça. Voilà. Alors, 2,2. Juste vite fait, du coup, enfin, vous mettez d'accord la strike sur qui fait la gauche, qui fait la droite? Tu l'as pas mis sur Alors oui, non, sur mais le... j'ai pas mis qui fait qui, mais genre c'est à vous de vous organiser qui fait la gauche, qui fait la droite entre vous. Mais Bah, de après toute voilà, façon, c'est mais du coup identique. vous avez du coup Weapon 3 qui est ici, sur le seuil de piste de droite, et Attends, vous avez je... et Weapon 4 qui est sur le seuil de piste de gauche. Ok, ouais, c'est Oui. vraiment Donc en en fait, début de piste, quoi. voilà, c'est vraiment début de piste, comme ça en fait vous avez juste besoin de programmer vos bombes pour strike du Ouais, coup juste à en note les intervalle. délais, ouais. Exactement, vous Ouais. avez juste besoin de mettre les délais et le nombre de trucs que vous voulez faire. Simplement. Vas-y, avec Ok. Voilà. tonton, on prend la gauche. On dit Le ça. Waypoint 4, bah oui, c'est logique, on avait deux Voilà. derniers Du coup, étoiles. c'était waypoint 2 ou 3? C'est marqué 3 droite, 4 gauche. Donc du coup, bah. Ok, bah autant pour moi. Ouais. Ouais. Piste Et puis, gauche. pour information, 2,2 nautiques, ça fait 12 152 pieds. Parce que les réglages de bombes selon les appareils, c'est souvent en pieds. Ah oui, c'est en pied. C'est Ouais. vrai que sur le 16 et le T'as dit 18, c'est en combien? pied. 12 000 combien? 12 152 pieds. Ok. Voilà, c'est Faut votre avoir pas intervalle beaucoup de de bombes. bombe. Après, bon, si genre ça fait pas la longueur de la piste, c'est pas grave non plus. Je pense pas qu'ils Oui. arriveront à décoller avec autre chose. Voilà. Bah, tout dépend après si on lâche en double ou en paire ou en. Bah, le moment, du coup, Ah vous ouais? larguez en single, comme ça vous recouvrez le En plus single? possible, voyez. Ouais, Comme ça, en ok. plus logique. Oui, si... ouais, single, ouais. Voilà, tout simplement. Après, hein. De toute façon, c'est pas le, ça va pas non plus être le plus précis possible, mais ça va faire du dégât. Ouais, Et c'est clair. juste par le nombre d'ordonnances qu'on livre. Du coup, waypoint 1, 2, 3, 1, Un 2, du coup. le 1 du coup c'est Kish, le 2 c'est Lar, du coup 3, 4 pour vous c'est Strike, enfin c'est le truc, et après 5 Ouais. c'est Kish encore une fois. En fait du coup ça vous fait Ok, faire un ça circuit va. comme ça. Et c'est aussi pareil pour l'acide, mais bon l'acide ils ont juste deux weapons supplémentaires qui sont sur Shiraz. Ouais, ça va. Donc, Tout cap simplement. D'accord. 297, quoi. Voilà, évidemment comme d'habitude, si la
Whip annonce si sanitize ou pas, comme d'habitude on connaît les calls. Ok. Voilà, tout simplement. Rien de plus, rien de moins, mission simple. Arrive à résumer sur les pistes. Ah oui, pardon. Parce que si on a le pod, je Alors propose que le. du coup je crois que les 18 n'ont pas le pod. Enfin mais du coup vous, si vous armez-vous du pod les 18 si vous avez besoin, évidemment. Mais du coup vous perdez quelques bombes mais c'est pas très grave. Ouais, on voit que le taxi du milieu, là, il est quasiment vraiment mi-piste. Parce qu'on peut se répartir la piste, toi, deux avions. Au lieu d'attaquer chacun le même waypoint, il y en a un qui le décale en mi-piste. Et puis on calcule sur Oui. 6000 pieds. Se faire aussi, à vous de voir. Ça fait une densité de bombe plus élevée sur la longueur. Ouais, on se partage qui prend le début de piste et l'autre fin de piste, quoi. Exact, Exactement. ouais. Ça peut être pas mal. Est-ce Et que c'est le puis. moment de dire que je sais pas larguer des bombes de cette telle façon? T'inquiète. Tu sais larguer des GB12? C'est pareil. C'est Sauf pareil, que tu les ouais. guides pas au laser. Hein. Sauf que là, il faudrait être sur un cap qui sera parfaitement aligné à la piste. Ah, je vais mettre une course, non? Et du Pour coup, faire le oui, point. et justement, un détail super important, le cap qui est donné ici, c'est le cap qui est en trou. Ça veut dire que c'est le cap géographique. Ouais, De ok. 9-7. Et les avions d'office, ils volent avec un cap magnétique. Donc il y a un décalage. Donc dans le 18 et dans la V8, on peut aisément passer du cap magnétique au cap trou, Ouais. cap géographique. Et ça faudra le faire. Autrement, on sera complètement décalé de l'axe. D'accord. Simplement. Pour le 16, je peux passer magnétique ou pas moi? Donc à voir que tu te décales de. Ben on te donnera le A. Bah tu me suis sinon, non? C'est pas fixe le décalage magnétique là. Oui, mais Pardon? C'est pas. selon l'endroit de la carte, il Non. est. On est à moins Je 6. Non, 6 est de plus, je vais. crois. Plus Est-ce 6 que je. degrés. Si on a 5 minutes, je fais vite un truc et on Vas-y. mesure. Je quitte le serveur, je fais vite une mission, je vais streamer. Alors attends, je Hop. vais streamer, comme ça moi aussi je peux passer en VR, puisque là je suis en pat. Bon, je suis sur le Hop. serveur. Ça, on verra tout de suite quelle est la valeur. Parce que DCS gère très mal ce genre de conneries. Suivant si t'es au milieu de la carte, sur les bords de la carte, y a tout qui change. Alors, on va foutre un avion en plein sur l'axe. Hop. Je prends le 18.
Avec tonton des 3 et 4. Oh. Balise 3, tonton 4. Bah tu vides alors. Manitox 1. Moi je suis 2. Bon bah je prends le lead. Ah non, je peux pas lead, moi. Je sais rien faire. Moi. Et comment qu'on allume l'avion? Et comment qu'on fait? Et quand qu'on décolle? Est-ce que tu peux jouer le rafale? Ça sera vraiment très rigolo. Quiche, 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 F18. Alors... Il est bon. Il y a les noms. La mission, elle est lancée là ou... Oui. Ford, moi je vois toujours Ford. Alors... Ah, mais t'as mis quoi le nom de pilote? Ah, c'est le nom du groupe qu'il faut mettre. Du groupe. Attends, ouais. Ouais, il y a Ford. Pour un but, il y a Ford et c'est tout en fait. Attends, quiche, non, c'est Chevy. Ah non, il n'y a pas. Y a pas ah non, de c'est l'art en plus. On est à l'art? Non, on est à quiche. Ouais, mais quiche, on n'a pas d'AV8. Y a pas d'AV8 à quiche. Mais la mission, elle n'est pas lancée dans le serveur. Si, normalement. Attends, alors. Oui, oui. Elle ne tourne pas. Attends, je contrôle. Non, mais il n'y a pas d'AV8 déjà. Ouais, y en a, si. Mais que 3, mais à l'art. Ouais, mais est-ce qu'il y a le rafale? Ouais, c'est bizarre. Tu veux que je contrôle la mission? S'il te plaît, parce que là, je... On perd moins de temps. Quitter. L'Airbus à 320. On n'est pas sur P3D, les gars. Je vais streamer, comme ça tu me dis. Hop, hop. Alors... Ouais. Ouais, la classe, il est même un dossier de texte. T'as vu un peu? C'est la rafale, ça. Oh, merde, on voit les rouges. Comment ça? C'est pas grave, c'est après, c'est Iron Chess, hein, donc. On va filtrer déjà tout ça. Ah, hop. Non, du coup, mais toi, ils sont là. Non. Ah non, je sais pas, non, je sais ce que j'ai fait. Tout est repassé en... Oh non, tout est repassé en... Tu es en slot. Niveau... Ils sont pas en client, ils sont pas en classe... Non, en client. C'est ça. Alors, ils sont tous repassés. On va le corriger. Mais normalement, si tu les as mis au sol, ça devrait pas être un problème. Non, non, ils sont tous au sol, mais genre, ils ont tous switch quand j'ai fait une modif à la con. Mais c'est pas grave. Hop. Moi, je vois un rafale. Et puis, je suis relou là-dessus, je... mais ça me fait toujours rigoler. C'est dimanche pour mon live de samedi pour mon live de 12h. Il y a un gars qui m'a envoyé un message me demandant s'il pouvait voler avec nous. Soit en rafale, soit en je sais plus quoi. Soit en rafale, soit en F22. Non, mais je crois qu'il y a un mode. Il y a un mode de rafale, je crois, non ouais. Les gars, il y a des modes rafale, il y a des modes F22, t'as des modes F35, t'as tout. T'as tout. Ouais. Après, ça dépend du degré de réalisme qu'ils ont, malheureusement. C'est ouais, ça, ouais. Ça reste des modes, malheureusement. Est-ce que vous voulez les noms? Ou les on s'en fout. Enfin, moi, perso, on sait qu'on on spawn à quiche, quoi. Il y a les livrets aussi, en fait, c'est pour ça, mais bon, oui. Ah. Et, bah, j'ai déjà foutu. Ah, on la changera, nous, manuellement. Oui, on la changera. Ah. Oui, c'est pas grave, c'est pas grave. Oh là là, les bidons, ils sont pas fixés. Les bidons, il les a pas fixés. Il l'a pas fixé, les bidons. C'est pas grave. C'est mal. Oh là là, le mauvais élève. Il s'est vendu tout seul. Allez, alors on va mettre comme... Je mets le... Vous, vous êtes quoi, là C'est Shield. Oh là là. Okay. Après, il dit que les F16, ils sont pas beaux. Mais tu m'étonnes, il a pas le... camouflage numérique vert. Il a pas les beaux bidons, putain. Et nous, on est Sword... Ça fait 40 degrés. Ah, mais là. Là, je vais l'enlever. Est-ce que je peux?
Non, t'as pas le droit. Pire s'il reste, c'est pas très grave. Salut Toto. Ah oui, c'est le 1. Salut non, Toto. Mais c'est pas loin. Coucou Toto. Désolé, je suis pas sûr que j'ai oublié d'appuyer sur mon Sword Cloak. Je te le change. Est-ce que ça sera. Hop. Est-ce qu'il a mis ses skins, Nitrox? Ah, j'ai pas touché depuis samedi, du coup, dimanche, donc à mon avis, je les verrai toujours pas. Ah, que tu regardes dans tes dossiers. Ouais, il faudrait que je m'en occupe un de ces quatre. À mon avis, c'est un petit truc à la con. Hein. Ah, le pire, c'est que la dernière fois, je l'ai fait avec je sais plus qui. C'était peut-être Axon et. Tom Tom, ouais. Mais c'est pas grave. Tom Tom, ouais. On l'avait fait. Deux, ensemble, pardon. Je suis en train d'essayer de réparer mon ventil, on speed. Ouais, on l'avait fait en vite fait, mais du coup. Moi, j'ai dû pas le mettre dans le bon dossier ou pense quoi. Pense aussi, mais c'est pas grave. Deux, pardon. De le délivrer. Les skins, je vois pas les, je vois toujours pas les livrer. Bon. Malgré ah qu'on bon l'avait ajouté la dernière fois, ouais. Moi, j'ai dû faire une connerie, comme d'hab. C'est pas amusant. Jusque là, du coup, j'ai jamais vu les skins, moi. Aïe, aïe, aïe. Comment on peut faire une bonne pub sur son stream si on peut pas avoir nos livrets? Ah, c'est juste pour ça que vous m'invitez, okay, non. Je comprends. Je vois, ok, allez, bonne Tom, soirée les amis. Tom, Tom, direct. Ah, ça m'a bien fait rigoler. Mais non, oh là là. Alors, on a bien client, client, ça c'est bon. Client, étoile, claque, homme, client, c'est bon. Pack. À bientôt, Virpile d'ailleurs en plus. Nice. Ouais, j'ai vu, ça a été accepté, bien joué. Oui, ça a été expédié. Completed, ouais. Completed, j'ai envoyé un mail, c'était avant-hier, en leur disant bon, écoutez les cocos, fait 3 semaines et demie j'ai commandé, j'ai pas de nouvelles alors. Je veux bien être gentil, mais j'aimerais au moins savoir où vous en êtes, quoi. Et ils m'ont répondu qu'ils avaient un problème de réception des throttles et que ça devait arriver d'ici la fin de semaine et que ma commande serait ensuite expédiée le plus vite possible. Ah, ils t'ont donné des nouvelles quand même. Ah, je pensais qu'ils gardaient ouais, après le silence. Parce que moi, ce que j'ai compris, genre, ils répondaient à presque personne. Bah, c'était mon deuxième mail quand même. Puis bon, j'ai quand même dit, ouais, vous êtes gentil, j'ai dépensé 1200 balles. J'aimerais quand même avoir ne serait-ce qu'une information, quoi. Si je leur disais pas, ouais, livrez-moi demain, tu vois, je voulais juste savoir s'ils avaient des soucis ou quoi, quoi. Parce que est-ce bon, qu'ils pensaient toujours à moi? Ouais, ou est-ce qu'il y a un problème? Est-ce que il y a un truc qui s'est mal passé? J'en sais rien. J'ai besoin d'informations, mon PayPal, faut que je paye une deuxième fois, c'est comment? Oh, bah du coup, c'est bientôt, très bien. Plus qu'un mois à attendre. Non, il y a combien d'expéditions? Ça allait vite, non? Je crois que j'avais entendu dire. Alors, moi, j'ai entendu 2 semaines. De bonnes semaines, moi, en tout cas, ah pour, oui okay, oui, juste pour le juste pour mon total. Non, non, pas non, pardon, pour être. Non, pas pour arriver. Arriver, c'était quand même vachement plus court. Expédié. Ouais, pour que ça être expédié. Faut que ça soit construit et expédié. Mmh. Ouais, mais là, c'est expédié du coup. Ah oui, voilà. Là, c'est en statut complète. Ah, ok, avec ah, c'était expédié. Okay. Ouais. Bah, c'est pas marqué shipped, donc à mon avis, c'est okay. Pas expédié encore. La mission tourne. Hello. Ça doit être bon. J'ai fait une connerie, j'ai oublié de brancher mon throttle. J'ai fait une Tom Tom. Eh non, moi c'était le. Tom-tom. Moi c'était le stick, désolé. Et c'est pas grave, j'ai quand même oublié de brancher un périphérique. Ah là là. Moi je vois toujours Sting 1, 2. Ah, j'ai pas les noms. Ah, moi c'est bon, je vois Sword. Ouais, j'imagine que je suis le premier 3, Tonton. Ah non, oui, c'est le temps au Sword. Ouais. Ah oui, parce qu'il y a qu'un seul F18 en fait, ok. Que moi. En 18, ouais. Bon. J'ai même pas du briefing pour les fréquences. De toute façon, ça va être sur les linibords. Pour les linibords. Incatomie. Ah. Alors, il n'y a pas les presets par contre. Oui, c'est pas grave, t'inquiète pas. Déjà, on a la fréquence. Et ben, allez, à toutes, hein, sur le jeu. Ouais, de suite. Allez, bisous, bisous. 1-4-1, ok. Allez, à toutes. 1-4-1, 2-4-4-5.
Alors? Dis-moi Charlie, pardon, j'avais un problème de CRS. Pinjet. Du coup, je sais pas si tu veux prendre ton pod. Ah, je vais le prendre. Ouais, dans le doute. Pardon, c'est again. Est-ce que tu prends le brouillard ou pas? Négatif, pas de brouillard. Ce sera pas nécessaire. De toute façon, le SA10, il va rien lui voir arriver de toute façon. Pourquoi ces problèmes de tracking là? Et copie. Qui cherporte Shield Flight taxiing to runway 09 left. Reçu et sous ordre 4 appareils taxi jusqu'à piste 09. Standby du coup Sword Flight on vous passe devant hein. Non, pas.
Shelter, je passe sur la droite. D'ailleurs, je crois que c'est la première fois qu'on voit l'Iran aussi bien éclairé. C'est pas faux. Mais carbo mon stream là. Désolé le stream, mais genre je sais pas pourquoi ça saute là. Je fais rien, mais j'ai l'impression que du coup en fait ça bobble. C'est vrai que j'ai de la tête qui flotte en vert. Qui cher porte Shield Flight, on s'aligne sur la 09 left. Ok, on va se... 1-7, on va se donner du coup 7 secondes d'espacement. Et sur les freins, power. Rolling. On va prendre direction steer point 3 avec 5 degrés de climb. Mille power hein. Quoi que non, on va rester 360. Shareport, Shield Flight Airborne, Switching Tactical. Correction, on va passer sur point 2 en réalité. Non, en fait, on va arriver beaucoup plus vite qu'eux.
Et les caméras de mon casque. Cet échelon droit. Copy. Ok, au niveau des gisseaux, du coup, on va se répartir donc steer point 3 et 4 pour moi, enfin pour moi, et 5-6 pour toi. 5-6 pour deux. Il risque d'être un poil sportif, c'est que s'il y a un petit peu de menace aérienne. Mais le but des GSO du coup c'est vraiment qu'on les largue de loin, genre qu'on les oublie et qu'on fasse notre sweep quoi. C'est la même chose que les JDAM, sauf que du coup tu peux les larguer de plus loin, vraiment plus loin puisque du coup c'est ça a plus de range, plus de planeur. Lima Charlie. Squad 2 sur Tactical. Que c'était à cause du placement de micro que ça me faisait ça. Et pourquoi ? Tu peux me rappeler le nom de code une fois qu'on a largué les gisseaux, c'est Magnum ou... Non, c'est Pickle. Ah ouais. Pickle, ok.
Ok, on va passer waypoint 3, donc 3, 2, 1, et du coup, sur la gauche. Et on va aussi passer level pour pas trop perdre de vitesse. Et du coup, vu que c'est comme JDAM, tu dois les power on, hein, les JISO, pour qu'elles puissent s'aligner. Ah bon, bien. Alors, je sais pas pour toi, mais est-ce que tu vois aussi les prochains steer points dans les airs? Pourtant, ils sont bien à 4000 pieds. Ah ouais, en effet, c'est peut-être moi qui me fais avoir par la VR là. Ignoble. Oh là là, comme c'est chiant. Tally contact Angel 31 à 80 nautical miles. Je pense que ça va être un civil. Vu qu'il répond pas IFF, et le Tally ne donne pas raid.
Et que si on le voit de, quand même à 80 nautical miles. Check avec le TG. Moi pour moi j'ai rien du tout pour l'instant, mais ça va être ma render distance. Bah, de toute façon pas de toujours pas de, de spike donc ça doit pas être ça va être un civil largement. Ok, alors on va juste monter Angels 30 et reprendre un peu plus le cap sur nos cibles maintenant. On monte 5 degrés 1. Aussi un peu sur la droite vu que je suis on n'est pas bien aligné. Shield flight be advised. Il y a du civil dans la zone, Angels 33, no factor évidemment. Ils sont bien reçus. Angels 30, on level. Picture clean pour l'instant. Affirme, il y a aussi un pop-up d'un allié dans la zone. Ouais, j'ai vu aussi, on a vu son contrat là tout d'un coup tomber. Hein.
Ok, on va passer gate, on va monter Angels 40. Maintenant. Environ 5 degrés. Ah oui, affirmatif, Fencin. Sinon je pense que on va en chier avec le SAD si on prend pas plus d'altitude. Ok, on va level Angels 40. Ok, on a notre Jizz, donc on peut pickle. Mais on a du coup deux autres bandits sur notre gauche. Le Spike il est en dessous de nous je crois. Ok, égresse par la gauche, on va essayer de maintenir l'altitude et de leur foutre un missile en descendant. Hein. Affirme. Ok, je suis blind. On n'arrive pas à les choper. Bien, si on arrive. Il semblerait que les deux soient sur toi. Hein. Affirmatif.
Et Sword One pour Shield, on est 40 nautiques dans votre 140. Fox 3. Fox 3. Tu as Fox 2 ? Négatif, j'en ai qu'un. Affirme, je vois. Je suis pas encore à portée de tir. Mais il te rattrapera pas, je pense. Hein. Je commence à turn vers la droite. Et de Sword, j'ai le bandit qui est Angels 14 derrière. Affirme, on est dessus, on est dessus. Splash One du coup. Sword One, j'ai l'opportunité de tir. 17 nautiques. Merde. Go for it. Bien reçu, tu es sur One Fox 3. Négatif, tu passes actuellement derrière eux là. Donc c'est clean. C'est juste moi, j'y vais par la droite. Ils sont en plus basse altitude que nous. Ok. On passe défensif. Je recommit. Ouais, recommit sur moi avec les. Sur Angel 18. Au 258. Good job. Mais good copy. Ok, Fox 3 sur les deux bandits. J'aurais quand même besoin de ton support dessus. Ok, Fox 3 sur les deux bandits au 262. Angels 21. Droite. Et Shield pour Sword, j'ai deux nouveaux pop-up qui viennent de décoller de Shiraz. Good copy. Ok, copy. Bah ils ont disparu de ta ligne, j'assume du coup que c'est bon. Copy, donc on passe hot sur les deux bandits là qui viennent de décoller de Shiraz. Là, il me reste plus qu'un Fox 3, donc je ne peux qu'aligner qu'un seul hein, là-dedans. Et je turn hot sur le leader. Fox 3. Shield commit sur les deux bandits qui viennent décoller de Shiraz. Fox 3.
bien reçu. Ok, départ missile, je crank sur la gauche. Pour le notch. Et je pars cold. J'ai visé sur aucune des deux, donc bon, hein. Si t'arrives à dual target les deux, c'est parfait aussi. Ouais, le leader il est tombé Angel 03, donc je pense qu'il est bien mort. Mathieu Fox 3, 20 nautiques, je tourne gauche. Copie. Je me suis fait descendre.
Statut 2. Ouais, descend pas en dessous de 18. Attends, le S15 dans l'altitude sur toi. Ah merde, putain, l'altitude. Je crois pas qu'on ait touché le SA-10, hein. Mais ce qui me fait dire que peut-être qu'en fait le SA-10 il fonctionnait peut-être pas non plus. Ok, donc c'est à dire qu'ici à ce point là ils nous ont pas tiré dessus, c'est qu'ils vont rien faire. C'est irregardable, je suis sûr. Je comprends pas pourquoi. Shield Light Y également. Et Sword, on a perdu Sword 2 malheureusement, détruit par SA-15. On passe sur Tanker.
décoller ou... Ouais, je vais redécoller dans le loot. C'est bien pris, je vais passer Tanker aussi. Copie. Ah, le dilemme. Les deux sont à 100 nautiques. L'art est à 100 nautiques et le tempér est à 100 nautiques. Tiens, je te rends ça pas mal. Pardon, excuse-moi. Oui, on le fait. Tu prends les tankers au nord, c'est ça? Le tanker au nord est affirmatif. Par contre, je suis curieux de savoir combien on a... enfin, comment il a réussi à mourir du USA-15. Je me doute aussi, mais bon, après, c'est qu'il soit descendu peut-être un peu trop bas. Et sans doute le plafond que j'ai donné 18 000, c'était peut-être pas assez en réalité. Quand je me suis fait là, j'étais 22 000, je crois. Donc, ouais. Au-dessus de 20 000, ça devait passer. Le framerate est ignoble.
Copie.
contact à 0.4. Une copie. Soit donc quitte tactical pour passer sur fréquence de l'arrière base. Et good copy. TC doit être off. Je le réactive. Ouais, ok. À suivre ça en la piste. La piste c'est 09. Et du coup 09, je le redésactive. Ouais, ça marche. Kid One, je quitte votre formation pour vous laisser tranquille. En prio pour l'atterrissage. Enfin, prenez, oui, vous êtes prio, moi je passerai en tout dernier. En réalité, j'attends deux là qui étaient dans le 6. Copie, je orbite Tanger 25.
l'accessoire de 1 et 2 en approche pour un circuit main gauche, actuellement 4000 pieds radar, 4 nautiques de la base. Et 4 verticale piste cap 090 1500 pieds. Simple. Centre 4, l'intérieur. Et tu... je reprends un cap sur l'art, RTB. Good copy. Approche finale, piste 090. De 1 et 2, on est en circuit main gauche sur l'arrière base, 3500 pieds radar. Histoire de 1 et 2, on est en circuit main gauche. Devant rien. Sort one, vent arrière, speed 2, 3-0.
sort de Baystern. Sorte de finale. Oh, pardon, bon, je vous ai laissé sur la séquence pour se poser. Je suis un peu à la traîne. Affirme. Je me pose ou je t'attends? Je sais pas trop. Et de soir, piste dégagée. Tu peux te poser, c'est pas la peine de prendre, j'en ai encore pour un petit ouais. Moment. Ouais, si au pire tu veux pas. Tu peux pas atterrir, c'est ton choix, hein. C'est comme tu veux. Ouais, c'est pas la peine de m'attendre. Ouais, copie. Moi je vais quand même faire tout le truc, mais ouais, si t'as pas envie de te poser, y'a pas de soucis. Ah, je vais pas vous faire attendre, j'en ai pour 180 nautiques encore à faire. ETA combien? Ah oui, 17 minutes, ok. Ouais, non. Yep. Go pour le débrief. Affirme, je me pose et je... Go débrief. Shield One vertical piste. Shield One sur le break. Shield One vent arrière.
Children Base Turn. Il doit un short final. Il doit une piste dégagée. Très loin, 80 nautical miles, il était parti tanker. Ah oui, je suis là. Du coup on va pas vraiment l'attendre. Ok, on part directement à débrief. On fait bien plus gas call sur Discord. On se rebarre pour Hornet 2. Ouais. Hello. Allô. Alors, si vous voulez le tag view, faut juste stop la mission, c'est quand même bon. Ah. Allez, go, stopper la mission. Ouais. Qui était encore à 80 nautiques, là? Ah, c'était Lucas. Bon, bah, c'était sympa. J'étais fébrile à lead, comme d'hab. Mais non. Si. Mais non. Mon largage, il était approximatif. Moi aussi. En fait, j'arrivais pas bien m'aligner, puis après, je me suis dit, mais je suis trop bête. Si ma course allait à gauche, faut que j'aille à gauche. Et moi, comme un teubé, j'allais à droite. Heureusement, j'ai vite compris. Je me suis récupéré, mais. Est-ce que vous avez shooté dès le départ? Ouais. Moi j'ai largué mais sans grande conviction, je suis vraiment pas sûr de ce que j'ai fait. Alors, tag view est dispo. Mais au moins, comparé à dimanche, mes bombes sont parties. Ouais mais du coup, ouais, oui, CCRP, t'es arrivé à faire le CCRP, Nitro, du coup, non? Ouais, je pense. Ouais, nickel. En plus, t'arrives à larguer, c'est que t'as réussi, je pense.
suis content de ma soirée en vrai. Même si je suis mort, je suis vraiment content. Ouais, c'était. Ouais, en revanche, putain, t'as vraiment pas eu de bol de te faire. Bah, en fait, je suis curieux de voir l'attitude que vous aviez. J'ai eu Mud Spike. Du coup, j'ai commencé à paniquer. Mais juste avant, t'avais dit Spike SA 15. Et ça s'est arrêté une seconde. Du coup, je me suis dit, bon, bah, c'est juste un spike et pas de panique. Et là, ça s'est remis à clignoter dans tous les sens. Du coup, là, j'ai compris d'où ça venait, j'ai regardé et j'ai vu le missile arriver, terminé. J'ai même pas eu le temps de réagir. Ah merde. Ouais, mais c'est qu'on était trop bas, mais pourtant, j'avais l'impression qu'on était. Il y en a deux qui sont partis. Enfin, faut que je revoie mon replay. Je crois qu'il y a deux missiles qui sont partis. Je crois avoir vu deux fumées blanches. Donc, ça se trouve, ça t'a tiré dessus aussi. Mais bah, le missile, non, je sais pas, ça m'étonnerait parce qu'on était close. Si ça m'aurait tiré dessus, ça m'aurait détruit. Ah ouais, ouais, je sais pas, mais... ouais, le SA-15, il est dur. Si tu pars pas call direct, le SA-15, c'est chaud. Je vais voir pour faire un clip vite fait. Déjà l'altitude minimum était passé. Allez, moi, là, je pense que c'était Angels 22 minimum. Là. Pas mal fait mon calcul. Et on était pas sur les Angels 22. Je crois qu'on était à 26, hein. On était 26 barométriques en radar, on était à. Au moins 20 000, on était dans les 22, je crois. D'accord. Ça va être là. Ah, il y a deux fumées, ouais. Oh! Putain, je l'ai vu sur ton stream, il ne peut plus y passer derrière, pas eu de bol. Mais ouais, on était en Angels 22, donc on était trop bas. Mais bon, après, le truc, c'est larguer les bombes en CCRP et des bombes 10 à cette altitude. Est-ce que je disais sur la fréquence, pour Jamie, on n'a pas tenu compte du vent. Ben alors, il n'y avait pas de vent. Et pas de vent. Il n'y avait pas de vent. Non, je l'aurais peut-être averti. C'est vrai qu'il n'y avait pas de vent. Tout était à 0,09. Ah, ok. Ça, c'est bon. C'est là pour le. Oui. Le débrief. Je vous mets le clip en screen si vous voulez voir. Après. Ah non, il y avait du vent. Hein. Il y avait du vent au sol et à 1600 pieds. Super, bah du coup, on va pas taper les renouées. Ouais, bon, 1000 pieds. Non, mais c'est bon, ce qui fait que il devait pas y avoir de vent. C'était à 4000 pieds la cible. C'était à 4700. Donc, non, zéro vent. Ouais. T'es pressé, Tom-Tom, hein, pour taxi. Hein. Bah, en fait, vous avez annoncé le taxi, puis j'avais vu deux trucs justement sur le taxi. Je me suis dit, ah, bah, ça doit être eux, puis j'ai pas fait gaffe que c'était pas où. Du coup, j'ai fait. Yes. Par contre, au décollage. Litrox, j'ai décollé tellement plus tôt que toi. Bah, il a dit décollage sans PC et moi j'ai eu du mal. Hein. J'ai cru que j'allais t'overshoot, j'étais au-dessus de toi. Du coup, j'étais calé sur la gauche. Ah, je t'ai pas vu du tout. Non, on va le voir au tag jeu, je pense. Mais ouais, quand on est sans PC, 18 et 16, bah, on forcément plus de runway. Mais bon, on m'a dit il faut économiser du pétrole. Moi, j'ai économisé pétrole, chef. Je suis monté à 200 nœuds avant que le truc commence à monter et j'ai dû tricher un peu avec le manche parce que je décollais pas. Ouais. Là, tu peux montrer la hauteur avec ça. Ah pardon. Là, t'es en vue. En vue 3D. Merci. Je pense à voir. Oh oui. En plein dans le terrain alors. Je suis content, j'ai pas eu de bug de périphérique en plus là. Moi j'en ai eu. Quand tu m'as call mon train d'atterrissage, bah c'est mon deuxième. Ah, moi c'est encore pire, c'est qui s'éteint moi. Ah oui. Ouais. C'est ma carte mère qui est morte, je pense. Faut que je l'envoie en SAV parce qu'elle est neuve. Ah effectivement. Après la V8 c'est une grosse poussée hein. Pas rien. Ah, tu les vois sur Thunder au décollage hein. Bah oui, moi je me base là-dessus, je sais pas si c'est vrai ou quoi, mais. Oui. Sur War Thunder, c'est des formules, hein, les trucs qui font de 0 à 200 en une seconde. Ah, bien vu, j'étais au-dessus, ouais. Ah ouais, non, mais ouais, bah après, c'est sûr que ça c'est des facilités à décoller quand même l'arrière. Ça doit être plus léger, non, que le F-18. Alors, le poids, je sais pas. Mais bon, déjà, rien que le nozzle. Le nozzle, le Harris, ça est la mort. Oh putain, bah oui. Ça va.
2000. Ouais, parce qu'un Harrier vide, juste avec le fuel, c'est 22 000 litres. Le P18, il a 37 000. Ah oui. Ouais, d'accord. Ah Il oui. est presque du simple au double quasiment. Je sais pas si ça fait Oh là des là, les livres petits en chiffre. 21. Ouais. Le 8, sa masse maximale, c'est 31 000. Donc quand il part à pleine charge, il est encore plus léger que le F18 à vide. Ouais. Vous le comprenez. Hein. Yoink. Alors, si je dis... Alors, maintenant je viens de capter un truc, mais en fait Tommy il a sur le pub, il a sur ça c'est la version qu'il a sur le site de DCS. Je crois qu'il n'y a aucun avion avec l'armement maintenant que j'y pense. Ah. Maintenant que t'es en train de faire réfléchir, disons que. Ah si, il a tiré là. Ah si, il a tiré, mec. Il a tiré là, ouais. Les 29, ils ont Le tiré. MiG-29, il a tiré. Ah, oui. Après. Après, bien. Bien après, après que t'aies détruit les deux. Ceux qui sortent du dôme, là, du SA-15. Ouais. Yoink. Voilà, là, il en lâche une. Ouais, ah, elle a tiré, ouais, elle a tiré. Oh. On le perd sur le deck. Ah Oh là. ouais. Aïe. On le perd Aïe, sur pas le de bol là. deck. Ah bah là, plus avec les montagnes. Ouais. Alors, eux qui décollent, attends. Ah, stop. J'ai vu au dernier moment, j'étais pas du tout sur le HSD. Puis au début, je suis ouais. Avec ton temps, on a gaspillé 4 MK, 4 M2. Pas gaspillé. Je suis content, j'avais essayé d'en avoir un. On Pardon, était quoi? passé d'en avoir 10. Attends, il s'est planté quand même avant? Il s'est bouffé le terrain? Oh non, mais je suis Oui. déçu, putain! Le Fox, il est allé dessus, quoi! Oui. Attends, mais c'est bizarre. Ou alors ton affix, il l'a esquivé? J'ai Non. pas de nafix. Il n'y Moi, a pas de nafix. j'ai eu SU-24 détruit dans ma... Ouais, mais le mien, je pense. Le mien, il s'est bouffé le terrain, en fait. Oui, le tir, c'est juste... Ouais, mais moi, j'ai tiré au 120... au Ouais. Foxtrot, j'ai pas tiré au nafix, c'est pas le même Le... missile, ça. Bah Si, si. si, t'as tiré du 9X, t'as tiré du Fox 2. Moi j'ai tiré du Ouais. Fox 3. Ah bon? Ouais. Ouais. Regarde. Dans ma tête, j'avais tiré un Fox 3, moi. Je l'ai annoncé en Yep. plus. Oh, Mais il bah, a tu vois sur la Mais du coup, distance, t'as eu ton après le Fox 2 verrouillage. était très bon. Bah, j'étais en verrouillage et tout, mais j'ai peut-être pas bien sélectionné mon missile, du coup. Bon, t'étais Peut-être sur ça. Fox 2. Bon, je Ça te a dis, quand ça même fait le boulot, hein, c'est tout bien ce qui compte. fonctionné. Ouais, ça veut dire que ça a verrouillé. Ah, je suis Enfin. dingue, il s'est bouffé le sol. Ok. Quand tu verrouilles au radar le Fox 2, ça l'aide à verrouiller ou... Ouais. Ouais, Alors, ça l'aide à ça me chercher. dirige. Ouais, ça dirige Ouais. la tête chercheuse. Voilà. D'accord. Ça lock pas quoi. En fait, t'as quand même la tonalité à prendre en compte. Yoink. Ouais, mais j'ai pas été bon, je pense. J'étais en 200, en 296. Il manquait un degré. Ah, tu sais, c'était décalé à la Un peu fin. décalé sur la gauche. Ouais. Oh, Je crois c'est qu'on a deux. eu un peu le même problème avec Tantan. Mais du coup, vous Bah, avez, en cette fait, altitude, à vous deux, c'est en fait, fort. vous avez couvert quand même la piste entière, hein, je tiens à dire. Ouais. Ah, bah ouais, et encore, il nous en manquait 4 là. Ouais, J'ai cru voir qu'il vous en manquait, ouais. on croyait qu'on pouvait en prendre que 10 et en vrai, Ils ont on a oublié de les capté après qu'on conquêtes. pouvait en prendre 12. Comme quoi, on n'est plus placé en vue extérieure pour compter nos Et tu bombes. vois, moi je C'est pense vrai. que ce qui s'est passé. J'ai Ah, t'as tout pris. envoyé un peu vite, je pense. Ah. Non, 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 Ah, elles sont bonnes. t'as Je pris répète piste le de coup. gauche. Ah, Ah, c'est bien, en mais fait, bon, je sais. mais. Ah, Tu veux que je te dise? il y en a que c'est gouré de piste, ouais. Mais c'est moi, mais en fait, tu veux que je te dise, j'avais bien mon TGP sur la piste droite. J'ai bien fait un TMS up pour actualiser mon point. Et pourtant, il m'a fait larguer sur piste gauche. Ah ouais, bizarre. Ils sont pas dégueux, mais bon. Bah. Non, Ouais, non. Un ouais. pas assez de déplacement, mais c'était Ouais, c'était good. trop rapide, mais ils sont droites, ça va. Ah ouais, c'est littéralement droit. Ça me part un peu sur droite, mais ouais, c'est beaucoup plus. Ok, bah c'était propre, de toute façon, hein, j'ai envie de vous dire. Celle-là, je crois que c'est même plus une route, c'est un champ labouré. On peut voir les dissous, ils ont fait quoi? Ah, pardon, les quoi? Ils sont Ils fait un sont fait les PCD. dos. Ils se sont fait dégommer. Ouais, c'est étonnant d'ailleurs. Bah ouais. C'est pas Bah. censé être compté comme une bombe et pas comme un missile. Bah ouais, c'est ça. C'est vrai que je les avais oubliés, ces connards. Parce qu'ils sont pris une armada de SA-15, je Et crois. pour moi, en fait, ils ont on les a pas dû l'utiliser.
Ah non, si, d'accord. Ah, ils sont fait intercepter. Mais les jets, c'est considéré comme des missiles dans l'armement. Ouais. Ah oui, bah oui, c'est... Bah oui. Ah bah, je cherche pas plus loin. Non, mais c'est vrai qu'ils sont dans la catégorie missile. Mais du coup, enfin, alors, un bien pour un mal, en fait, les tubes, ils étaient vides. Nickel. On a eu chaud. On a eu chaud. Genre, si c'était que deux armes, si c'était quatre armes, ce serait peut-être pas passé. Parce que c'est pour ça qu'il était silencieux d'ailleurs, avec ouais. Skynet, dès qu'il est en train de réarmer le silencieux. Ouais. Ah putain, on va reprendre. Du coup, ça nettoie la zone. Je le vois pop-up de nouveau sur le HSD, sur l'ASA, le leader. Là. Je pensais aussi qu'il était crash, quoi. Mais... Ouais, il est tombé extrêmement vite, mais... Ouf. Ah ouais, putain, ah. Et du coup, attends, mets-toi sur Nitrox, parce que du coup... Ah oui, bon, l'altitude 25... C'est beau, toutes ces belles bombes. Là. Je t'ai vu, on a pas, on était. Je t'ai vu passer au-dessus de toi, j'étais pas loin. J'aurais pu mal ouais, finir. Bon, en fait, vu que j'ai largué plus tard, j'ai break après. Regarde, c'est lui là. Ah, ça descend. Ah, parce que là, je reprenais la forme. Ah non. Et après, je vois, et après, on a combien du vous êtes level? Ah, mais on est resté plus haut, on est resté à 26 000 pieds, je crois, on avait 8. Ouais. Ah putain, c'est que moi je suis limite dans la bulle et toi tu passes plus dedans. Ouais. Pourquoi elle a pété la preuve ouais. Pourtant, les deux arrières ils sont bien passés dedans, enfin, passés juste à côté. Non, mais ils sont passés à ma bulle de gauche en fait. Ouais, non, mais genre c'était. Gauche, j'ai dû tirer pour intercepter. Ouais, c'était pas assez pour qu'il. S15, ouais. S15, ouais, il est à 19 600 pieds de portée. Ouais, mais du coup, c'est plus 4000. Voilà, plus 4000. Moi aussi. 4000 et quelques, ouais. Il était à 5, ah, lui, 5700. Il était plus haut quand même, celui-là. Ah, putain, bah c'est pour ça. 25, ouais, t'étais un poil trop bas. Il t'a vraiment chopé à la limite portée, ouais. Ouais, parce que le missile, quand on le voit arriver, il a plus de propulsion. Ouais, il arriver, est depuis un bout de temps. Et... Je l'ai vu vraiment. C'était rigolo. J'ai vu arriver. My bad, sorry. On aurait dû monter non, plus. Bah, ça arrive. Je suis content parce que j'ai quand même compris d'où ça venait. Et j'ai vu le missile. Tu vois, je suis pas mort en me disant putain, mais merde, qu'est-ce qui s'est passé, quoi. Et c'est pour ça que j'étais content malgré tout. Après, j'ai redécollé, j'ai full gauge jusqu'à vous. Tu avais raison. Hein. Mac 1.5, 1.6. Ouais. J'ai pris un bidon, je l'ai vidé en 2 minutes, je l'ai largué. Oh, ça m'étonne pas. Voilà, on a failli se faire piquer notre break. Ouais. Ben ouais, en fait, j'ai pas compris parce qu'on arrivait bien de 0.9.0, puis vous avez fait un. Je sais pas. Bah, en fait, j'ai... Ouais, le temps de descendre et tout ça, j'ai fait passage loin, après j'ai fait une verticale 0.9.0. Moi, je vous ai ouais, dit, quand j'ai break, vous êtes passé en dessous de moi. Ah, bah, oui, quand on a break. Mais en fait, du coup, c'est que nous, en fait, on est arrivé un peu plus tard, mais on est arrivé directement en main gauche. Donc... Parce qu'en fait, on est descendu vachement tard. On était à 10 nautiques, on était encore à je sais plus combien de pieds. Parce que moi, je te suis, puis j'entendais les breaks. Je me suis dit, mais putain, ils devaient juste à côté de nous, c'est pas possible. T'as pas manqué, coucou. Là, on n'était pas encore au break. Hein. Non, là, c'était juste... En fait, ouais. Le premier que j'ai fait, c'était pour me caler bien au-dessus de la piste. En plus, ça parlait beaucoup à la radio, alors j'arrivais pas à dire à tonton, je tourne à gauche ou quoi. Vu qu'il me collait un peu, je me suis dit, on va se rentrer dedans. Ouais, on entra, ouais. D'accord. Parce qu'on a du coup il y avait 3-4 en formation et nous on était 1 et 2 en formation. Mais... Parce qu'on est quoi ouais, on a encore 12 000 là. Ouais, là on descendait tranquille. Ouais. Merci.
Le SA-15, c'est du radar. Hein. Ouais. Ouais. Je l'ai des flares. À chaque qu'il va rajouter sur Thunder la prochaine mise dans la Chine. Ah bon? Sérieux? Super. Oui. On va voir qu'il va en même temps. Ça vous était parallèle, quoi. Et puis quand je break, je passe juste devant vous. Je vous ai vu en dessous, je me suis dit, bah tiens, ils vont tout droit. Bon, mais eux, ils n'étaient pas vertical de la piste. Donc, C'est la faute à TomTom. Ouais, un peu. Heureusement qu'ils n'étaient pas à la même altitude. Et... J'aime pas trop être vertical. Donc, pour l'être vertical, j'aime pas. Et qu'on avait notre mise des gaz. Oh oui, c'est dur de faire une sorte de lead pour l'atterrissage. Je trouve ça pas facile. Pas facile, mais ça a quoi prendre. On était en deux groupes séparés en plus, c'est moins facile que quand on est tous ensemble. Ouais, c'est ça aussi, parce qu'on se marchait dessus sur l'école. T'es arrivé à rester proche, Moi, je me suis calé sur la vitesse que t'as annoncé, puis t'as accéléré à la fin, donc je me suis retrouvé un peu derrière, mais c'était un peu plus sécur. Ouais. T'avais annoncé quoi, 1.7.0 la vitesse finale, puis... Ouais, à la sortie de mon break, j'ai vu que j'étais monté à 200. Ouais, c'est ça. Une fois que toi, t'as mis vachement de temps en fait à faire ton. Ouais, j'ai pris super large. À un moment, t'as annoncé base turn, toi. Je me suis pas trompé, non? Non, je t'ai dit, il faut que tu fasses ton base. Ah oui. J'ai cru que tu l'annonçais et moi, je me suis dit, mais attends, mais je tourne, j'ai pas tourné moi encore. Non, justement, c'est pour ça. J'ai... En fait, moi, je prends super large parce que sinon, j'arrive super haut et après, j'atterris à 15 degrés. Là. C'est pour ça que je prends. On passe un petit peu d'entraînement d'atterrissage visuel dur. J'avais fait avec Tom. Pendant tout ce temps-là, en fait, j'étais en vue F2, enfin en vue sur la piste, j'étais littéralement sur le truc. Et en fait, Nitrox, tu te poses trop tôt. Genre, j'étais au ras de la piste en fait avec le truc et genre ma caméra, enfin t'es rentré dans la caméra. Ah ouais, carrément. Bah oui. C'est vrai que j'ai vraiment rasé le bord de la piste quoi, mais. Ouais, non, mais on dirait, tu penses que c'est un porte-avions en fait. Tu penses un truc. Sur cette piste avant, quand t'arrives le 09, avant il y a une ville. Oui, je sais. Ah non, mais avant la ville, j'étais. Enfin, avant d'arriver sur l'airfield, j'étais haut. Hein. C'est au dernier moment en fait où j'ai vraiment. En fait, j'ai laissé retomber les gaz pour que l'avion il tombe un peu. Et j'ai remis un peu de gaz juste avant de toucher pour aplanir l'angle d'attaque et pas atterrir à 10 degrés quoi. J'ai atterri à 2 ou 3 degrés, mais juste au bord de piste, quoi. C'est ça, parce que j'ai déjà fini dans le salon des voisins, moi. Ouais, ce que tu peux faire, c'est mettre ton Piper sur le seuil de piste, puis au moment où tu vas couper les gaz, arrondir, tu vas toucher là où il y a les traces de roues. Mm. Ouais. J'ai réussi à faire une... Parfaite. Belle saucisse. Belle saucisse. Par contre, j'ai vu que quand tu mets ton taquant, ça te retire la course. Oh my god. Toi, tu la règles après ta course. Ah, c'est sûr. Naki. Oui, parce que la course, tu l'avais réglée sur un waypoint avant. Ah oui, ça doit être ça. Ouais, donc dès que tu rechanges de source, ben, il te l'annule. Ouais. Ah d'accord, ok. Ouais. Et on met tout derrière. Je vais essayer de monter le niveau de mon micro. Hop. Ouais, c'est... Bon, ça va. Larry, je pense pas qu'il faisait autant de distance, autant chargé, tu vois. C'est vrai que vous aimez à l'épreuve quand même, hein. Ouais. On a bien fait d'économiser au départ, hein, parce que t'as vu, moi j'avais 1.5. Hein.
Oui, non, mais de toute façon, on avait la même. Hein. C'est descendu pareil. C'est vrai que ça commence à vite tomber à la fin, tu dis bon. Ouais, disons que vous n'aurez pas pu hold ou en fait tout simplement abort. Hein. Bon, Et ouais. c'était pas direct quoi. Ouais, c'était qu'une passe ou rien en fait. Et après, les tankers étaient loin, mine de rien. Ouais, c'était Ouais. loin, ouais. Et puis on avait 8, faut pas te louper. On parle pas. C'est ça. Le il a été les chercher loin. Ah oui, honnêtement, ils étaient quand vous si vous sortiez de la ville, ils étaient là quoi. Ouais. Et ça fait ça nautique quoi. Ouais, sinon Ouais. c'est vachement loin. C'est vrai que ça aurait pu être rigolo de les choper ici, comme a fait Lucas, mais ouais. Bah ouf, ou les Ouais, c'est pas grave. rapprocher un peu plus sur le sud-est de là où ils sont actuellement, comme ça on peut les. Sur la route du retour, on peut les choper. Ouais, c'est ça. Moi en tout cas, je ne change rien parce que si je change quelque chose, je sens que ça casse. Faut Faudra aimer, demander à Toby. honnêtement, pour pouvoir toucher en fait ce théâtre, il faut aimer les vaches. La condition. C'est la condition, ouais. Voilà. On est good. Là. Ça J'étais. merci de... Ouais. Oui. Je commence à voir des progrès et du coup ça fait plaisir. Ah, c'est beau à voir en tout Ah, cas. tant mieux. Faut avoir Tant mieux. le. Trouver avec mon SA et d'habitude j'arrive à rien avec ça. J'ai même pas triché enfin j'ai utilisé le F10 juste pour m'assurer que je me trompais pas. Mais je vous avais bien trouvé avec le SA et tout et réussi à vous rejoindre, à me remettre en formation. Moi j'étais content. C'est bien. Ouais, tu commences à avoir le vocabulaire pour la radio, tu commences à parler, tu commences à connaître les trucs et à faire ça pour moi, donc ça c'est le progrès naturel, j'ai envie de te dire. Yes. Bon bah moi je vais vous laisser, je vais basculer sur autre chose. Yes, ça marche. Ok, bah, Ah c'était ouais. super. Vous faites un truc dimanche soir du coup ou pas? Ah, dimanche, je vais. Tommy pas là, mais je vais faire une petite mission, je vais voir si on poursuit Snowfox. Ok, oh lourd. Ça marche. Bon bah je vous dis au revoir À et puis bah à plus. dimanche alors.